Damn. Ça va, waté, watos. Pigeon Vogue. Petite platine ici. Pour le ressort Doppler, on va pouvoir découper, le replacer là où on veut, selon la longueur de courroie. Honda Scooter SH50, you already know. On va faire les ancrages pour la petite pédale lanceur. Bidalotte 2018 RR. On va tout déchirer, tout déchirer. Bon, ok, tu veux que je coupe le ressort? Tu veux vraiment que je le coupe? Brun, 3,60. Le jaune, 3,30. Ici, 3,10. C'est magnifique, regarde. On va le découper. On va découper notre petit ressort qui vient de notre petite collection favorite. Mais t'inquiète pas, on a les références. On va pouvoir en commander online, sur le net. On va se faire plaisir. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va essayer de le tester aujourd'hui sur la mobilette de notre ami Bernie le milliardaire. Essayer d'assouplir, si tu veux, un petit peu le mécanisme, le système, le fonctionnement, et redescendre un petit peu sur les poids du Vario. Bidalotte Vintage MBK des années 1980, qui fait plaise. Let's go mon ami, let's go. Vintage. Oh yeah, shit, all right, god damn, all right. Hey Tomahawk, tu l'as coupé comme un porc ton ressort, t'as même pas refait le méplat et tout. Ah bon? Regarde Doppler, Factory, se passe quoi là cousin? Il est où le méplat? Il est où? Let's go cous, let's go. Remplacement du ressort qui bande dur, Doppler, avec le ressort qui bande soft. Fais maison cousin. Alright. Oh yeah. Oh yeah. Et le tube à l'intérieur PVC, je le connais hein. Les rotules Bidalo, le fonctionnement système Bidalo, on avait déjà fait aussi cousin. T'inquiète pas, on a déjà testé, on en a fait. D'ailleurs, je crois que j'ai le tube ici, je vais te le montrer, PVC. Donc qui permet au ressort de rester droit. Et aussi les vibrations, il y en a moins. On a fait tout ça cousin. Regarde. On a déjà fait les recherches, mon ami. On a déjà copié le ressort Bidalo. Regarde. On l'avait trouvé. On l'avait trouvé, le petit tube, dans le magasin de bricolage. Des fois, juste un petit peu à le passer. Lui, il a de la peinture. Lui, il n'en a pas. Ça passe magnifique dedans, je crois. Voilà, regarde. Yes, sir. Donc, on avait fait ça déjà. On connaît l'histoire. Tu nous apprends rien, cuz. Dans les gosses, locaux, dans les gosses. Ah là là, ces jeunes mobeurs, hein. Ils croient qu'on est né de la dernière pluie. Ça fait 10 ans qu'on fait de la mob à Vario Cous. D'ailleurs, je peux même t'apprendre un truc que tu dois pas connaître. C'est que nous, non seulement on a testé les ressorts montés sur système articulé à l'avant, montés sur cylindre bloc, soit là, soit à l'arrière, avec des pattes qu'on a fait, des inserts en acier rond. Tu mets ton cylindre bloc, tu l'attaches, tu mets la patte soudée sur le cadre. Enfin, tu vois, il y a plusieurs options comme cela. Tu prends les cylindre blocs moto bécane, moteur, ou les cylindre blocs ressort, ou comme ici, du cylindre bloc, Honda MB5. Enfin, tu fais ce que tu veux. Et devine quoi, mon ami? Eh bien, ça va, comment dire, faciliter les réglages carburation. Car si tu ne le sais pas, même ce petit insert ici en plastique ou en téflon, eh bien, il y a un transfert de vibration qui se fait, car on n'est pas monté en full cylindre bloc, seulement là-haut ici, mais pas en bas. Eh bien, devine quoi, ça affecte le réglage carburation. D'ailleurs, on te l'avait montré avec un cylindre bloc sur l'autre machine trop dur ici, et ça broutait. Dès qu'on est passé en cylindre bloc soft pour maintenir le carbu, tout de suite, ça a amélioré la carburation. Donc ça, c'est pareil au niveau du ressort. L'ultime, c'est de tout monter sur cylindre bloc, en haut et même en bas le ressort.
À l'arrière, par exemple, tu mets une rotule à l'avant sur silent block ou un silent block à l'arrière. Et devine quoi, cousin? Tout de suite, ça va t'arranger les réglages carburateur, mais ça va être le jour et la nuit. Donc ça, tu le sais pas, je te le dis, car nous, on l'a fait. J'ai testé avant et après. Monte, ressort tel quel Doppler avec le truc à l'avant en plastique, le guide. Ensuite, monte, ressort modifié avec la monte silent block à l'arrière. Oh, Watto, c'était magnifique, Watto. Là, on fait pas parce que c'est trop de taf. Attends, je t'ordonne si tu veux. Tu connais les ressorts modifiés ici avec les montes comme pour le pot d'origine motobécane qui part à l'avant. Les petits ressorts ici hydrauliques de haillons de caisse. Le mec, il m'a dit ça, mais on en a parlé dans la vidéo. Il a pas tout écouté. On t'a pas attendu, cousin. Ressort accouplé avec un amortisseur à gaz de porte arrière de voiture, de coffre de bagnole. On a déjà testé, mon ami, en full automatique. Magnifique, c'est pas fini. On a aussi fait celui-là. Tu le montes sur ton cadre motobécane à l'arrière. Ici, tu le montes à l'avant avec une petite patte sur les carters. Vérin hydraulique jumelé avec le ressort d'origine motobécane. On a fait ajustable, 6 positions hydrauliques. On a tout fait full automatique, cousin. On a tout testé. Devine quoi, il n'y a rien de plus efficace que le contrôle manuel avec ton pied de la transmission et un petit ressort sympathique. Il n'y a rien de plus efficace, surtout lorsque ta courroie chauffe, qu'elle se détend ou qu'elle s'use, elle met tout en l'air, les réglages full automatique. Devine quoi, avec ton pied, une fois que c'est foutu en l'air, tu peux compenser, t'appuies un petit peu plus fort dessus. T'as compris, Couze, ça ne pourra jamais battre la fonction manuelle semi-automatique. Une boîte automatique ne pourra pas rivaliser avec une boîte semi-automatique, mon ami. Hey yo, sur les réseaux sociaux, ça revient souvent cette question. Fais-nous un tuto sur ton temps libre, gratos. Comment on installe une pédale lanceur? Déjà, j'ai pas le temps, mon ami. Et de deux, qu'est-ce que je peux faire comme tuto? Il n'y a rien à expliquer là-dessus. C'est tout simplement un levier monté ici à l'arrière ou sur ton axe pédalier avec une tige, un raccord, deux rotules attachées au moteur. Tu fais une patte. Voilà, le tuto, il est fait, cousin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Après, à quoi ça sert, comment ça fonctionne? On en a déjà parlé. C'est pour appuyer, pousser ton moteur devant et toujours être sur la plage de puissance, sur le bon régime et la bonne transmission. En gros, la bonne vitesse, le bon rapport. C'est tout. Donc après, on va pas faire une vidéo de 3 heures là-dessus. Je te le montre. Voilà, le tuto, il est là. Toc, il est terminé. Bon, je comprends la question, hein. Je sais que tu voudrais un tuto en long et en large, mais il y a tellement de configurations, MBK, Peugeot, des placements de biellettes, de machin, que de toute façon, il faut être un petit peu déjà bricoleur pour faire ce genre de choses. Une fois que tu as vu les photos sur Internet, logiquement, tu dois pouvoir faire le tien. Je te l'ai montré là, logiquement, ça suffit, tu as compris le principe. Après, tu dois pouvoir te démerder. Sans quoi, tu appuies sur le pot, cousin. Appuie sur le pot. Alors ici, tu l'as compris, on a adouci le ressort. Il est plus souple, donc il va falloir redescendre sur les poids. Donc rapide, d'après mes souvenirs, on était à peu près à 9,5 avec cette config. Le ressort dur Doppler rouge, c'est à peu près ça, 9,4, 9,5. Et c'était trop lourd forcément quand on est passé sur le jaune. Donc là, on est pareil, on est encore un peu plus souple que le jaune d'ailleurs. Mon ressort custom Tomahawk est beaucoup plus souple encore. Donc je crois qu'on était descendu d'un gramme, voire un peu plus, à 8,5 ou 8. Donc faudrait partir là-dessus, mettre un tout petit ici. Tu vois là, on est à 7,5 déjà. Donc je pense qu'on sera pas mal, car moi je suis encore plus souple là. Donc le petit qui est là, ensuite avec le moyen, donc j'appelle ça moi le petit. Ici, je te le montre. Tac, en gros 10. Le moyen 12, le large 13 et le super large 14 en gros. D'ailleurs, il n'en fournit pas assez Doppler. Quand ils te vendent le petit sachet avec le Vario ER3, il y a pas mal de ça. Je crois qu'il y en a 4, il y a ceux-là, les larges. Mais les intermédiaires comme ça, il n'y en a pas assez. Et c'est dommage, on en a bien besoin des fois, des 12. Sur chaque basculeur, on n'en a que 2. Il nous en faudrait 4, 1, 2, 1, 2. Donc allez-y les amis, fournissez plus de poids de 12 là, au moins 4 dans le sachet parce qu'on en a besoin. C'est le petit point intermédiaire qui fait bien le taf et qui manque. Donc t'es toujours un peu entre deux, t'es là, merde, faut racheter tout le sachet et tout, c'est le bordel. Allez, c'est parti, je crois qu'on va partir sur du 7,5 pour déjà watter, voir ce que ça donne. Voilà, j'ai changé les poids déjà sur ce basculeur. Là ici j'ai mis le plus léger côté là où il y a le filetage de l'axe. Voilà, puisque c'est là où il y a du point de stress et que c'est le plus fragile entre guillemets. Là, c'est la tige sans filetage, donc elle est un petit peu plus solide. Et je réponds à une question qu'on m'a posée. Est-ce que les basculeurs sur ce Vario ne sont pas plus lourds
que les Doppler? Non, c'est à peu près les mêmes. C'est les anciens, les premières générations, les basculeurs dorés qui ont été recouverts d'un traitement. Donc MBK, ensuite il y a eu le Bidalo, je vais te le montrer. Donc ils sont très similaires en fait aux basculeurs du Doppler. C'est à peu près les mêmes au niveau dimension, gabarit, poids, etc. C'est les mêmes. La nouvelle génération, les basculeurs 2.0, Bidalo ici. Donc tu vois, ils sont plus fins un petit peu, regarde au niveau des têtes, tu le verras peut-être pas à l'intérieur. Donc ils sont un petit peu plus légers. Donc ça, c'est un peu une génération différente de basculeurs. Ça, c'est les premières générations qui vont bien d'ailleurs parce qu'ils sont traités avec un traitement voilà, autour de l'alu qui permet de bien les faire durer dans le temps. Que là, tu vois, les nouvelles générations, c'est de l'alu brut qui s'use plus vite. Voilà pour la question qui était très bonne, mais c'est pas ça qui altère vraiment le fonctionnement, si tu veux. C'est qu'on a un vario qui est plus lourd, on a des joues en acier ici, et en plus un usinage un petit peu granuleux qui fait qu'on n'a pas un frottement, un déplacement de courroie sur les joues qui est moins efficace parce qu'on agrippe un peu et on alourdit. Ici, ça glisse. Tu vois, les pentes, regarde, elles sont magnifiques, elles sont très lisses et ça fonctionne mieux. Ici, c'est des sales joues qui ont été usinées un peu à l'arrache. Et ça ne fonctionne pas, par exemple, comme celui-là, regarde les joues Bidalo qui sont magnifiques, super lisses au toucher. Donc, il y a un peu un tout qui fait que c'est un petit peu plus lourd dans le fonctionnement. Avant de remettre la courroie Scooter, Scoot, Honda SH50 15 mm, voilà, que tu connais, qui fait le taf. Et donc, je voulais répondre à une question. Ici, le modèle, regarde, Bidalo ou MBK d'époque. Donc ici, tu as vu ce qu'on appelle la joue mobile. Elle est super ajourée. Soi-disant, c'est les dernières versions magnifiques pour faciliter l'accès au poids et changer tes poids. Ici, c'est l'ancienne version qui fait le taf, hein. On a accès, c'est peut-être moins pratique. Mais moi, honnêtement, j'aime pas trop ça. Pourquoi? Parce que sur des moteurs qui wattent très fort, 50cc, hein, je vais pas te parler de moteur scooter, mais des moteurs 50cc 49.9 Bidalo qui wattent très fort, tu fragilises ici la joue mobile. Donc pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. L'accès au poids plus rapide, ça ne m'intéresse pas. Là, ça fait le taf. Et tu as quand même une joue mobile beaucoup plus solide. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y en a en France, sur des moteurs compétition circuit, qui étaient 49.9 Bidalo, qui marchent tellement fort, cousin, que eux, ils ont pété ça. Même celle-là, ils ont réussi à la voiler. Elle s'est pétée en fonctionnement tellement ils envoient de la sauce. Donc, ils ont été obligés d'usiner des joues mobiles comme celle-ci en acier pleines. C'est-à-dire que tu n'as plus accès. C'est comme ça. C'est plein partout. Donc, tu n'as plus accès au basculeur. Tu démontes ton vario pour pouvoir changer tes poids. Mais tu t'en fous, puisqu'une fois que tu as installé tes poids, une fois que tu as fait ton réglage, logiquement, sur circuit, ça bouge presque pas. Tu vois, d'un circuit à un autre, c'est à peu près la même. C'est les transmissions qui changent un peu, c'est tout. Et mais le mec, il a été obligé de faire ça. Et depuis, plus de soucis, cousin. Mais quand même, ça te donne un petit peu la démonstration du type de wattage pour arriver quand même à détruire, à voiler et à exploser ces joues mobiles Bidalo acier. Il faut quand même y aller. Donc là, tout ça, c'est bien, c'est beau, c'est du tuning, on a accès, mais ça fragilise la joue. Donc, c'est quand même à garder en mémoire ce genre de choses. Ici, la courroie mal aussi, elle est là, elle est belle, on l'installe. Et je vais aller faire mes petits essais, les premiers en essai privé hors caméra. Regardez-moi cette couleur de bougie, on est pas mal quand même. On est pas mal du tout. Bon, retour des moult et moult essais les amis. Le vario fonctionne, mais c'est pas encore ça comme moi je le voudrais, vraiment perfect. Donc il y a un petit pas un petit souci j'allais dire, mais il y a quelque chose qui se passe. Les basculeurs sont super libres, la joue a l'air d'être libre quand même. Donc mais c'est pas, si tu veux, en fonctionnement tip top. Je suis passé en 7,5 pour les poids, 6,5 léger, tout, enfin j'ai tout essayé. Précompresser le ressort, ça fonctionne pas trop mal. En pointe, ça s'écrase un peu trop presque, car le ressort est un petit peu souple en pointe et faut rester sur le lanceur pour garder, si tu veux, la vitesse, le couple et tout. Et ça ne m'intéresse pas dans cette configuration-là. Donc, on va repasser quand même sur le ressort rouge pour l'instant, car l'intermédiaire, le jaune, entre ce que j'ai là et le rouge, ça serait parfait. Mais on n'en a pas. On n'en a pas, cousin. Il est sur la Mobi Aircraft là-bas. Il faut la livrer samedi. On ne peut pas la dépiocer. C'est pas possible. Donc, ce que je vais faire pour Bernie, il faut faire un choix technique. Il va à tout prix watter samedi matin avec les G6R. Ensuite, il part en vacances 2 mois en Asie. Yira ! Il va tout éclater là-bas. Donc, je pense qu'on va rester sur le vario Doppler, qui est plus léger, qui fait le taf, qui pour moi te donne vraiment la grosse banane quand tu accélères. Et il n'y aura pas de surprise au niveau fonctionnement de la transmission. Là, il peut y avoir des surprises quand ça chauffe. Après 50 bornes, tu vois, il va tartiner le matin, il y aura peut-être des surprises car il y a un phénomène qui se passe, je ne sais pas encore, mais c'est pas pile poil. Le seul souci ici, tu le sais déjà, c'est les guides. Qu'on a bien serré l'octave, faudra que ça tienne. Et puis voilà, on lui dit tu la roules le matin et tu rentres à la maison, tu pars en Asie, tu reviens plus jusqu'à nouvel ordre. Voilà, ne fais pas
3, 4, 5 balades d'affilée avec les GSX-R. Il faut que tu me donnes du temps, qu'on trouve la solution, car là, je ne l'ai pas encore. C'est-à-dire, gros wattage de la mort pour niquer les GSX-R et fiabilité, j'ai pas encore la réponse. D'ailleurs, ça serait bien l'occasion que moi, j'usine une platine après tout, que je lui modifie ce vario et qu'on mette les fourchettes et comme ça, on sera tranquille. Là, il pourra watter, l'usure, on s'en fout et les guides, ça sera magnifique. Donc, je pense que c'est là la solution. Pour l'instant, en tout cas, ici étant aux États-Unis, pas faire la chasse à la pièce en France. Sinon, faudrait aussi le Bidalo Junior Alu qui marche aussi du tonnerre, qui est léger, qui fonctionne bien et qui a des guides ici en plastique plus résistants par rapport à ça. Mais on n'en a pas et que nini, je ne vais pas lui vendre le mien que j'ai dans ma collecte, ça suffit. J'ai déjà donné gratos Macula CC Vintage Bidalo à Brian parce que j'avais le somme pour lui qui s'est fait entuber 400 euros sur un moteur radial de la mort. Donc tu vois, comme moi je suis gentil, je vais donner ma culasse gratos cousin et moi j'en ai plus, voilà. Donc on va pas continuer à, tu vois, à se dépiauter de notre collection privée. Donc ça, ça me plaît pas pour l'instant, c'est pas du perfect et moi je veux du perfect pour Bernie qui attend toujours le perfect. Donc on va remettre ici les petits pois sur le Doppler, garder le ressort rouge pour l'instant et on va envoyer la sauce. Pourquoi? Parce qu'on va se faire plaisir. En faisant un espèce de comparo vidéo, si je peux, si j'ai le temps vite fait, c'est-à-dire la 52cc ici, Bidalo qui turbine et la Aircraft 50cc stock, non préparé, Doppler pour voir un petit peu les différences de puissance si ça arrive à se transmettre à la vidéo. Voilà, donc je finis le taf et je vous reprends après pour de la vidéo embarquée. Allez, Doppler Inside, c'est parti, j'ai fait chauffer un petit peu, on se fait plaisir, on envoie la sauce. J'espère que tu kiffes, profite, c'est la dernière avant l'année prochaine, profite, coûte coûte. Chevrolet Apache cousin, profite, vite fait, profite quand même, pour le plaisir. Pick-up Chevrolet Apache, Apache 10. Wouhou. Allez, c'est parti, Bidalo Power. Allez, c'est parti les amis, dernier essai, Bidalo embarqué, donc je vous préviens, attention, ça arrache là, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je tiens à préciser que le piston Peugeot 40 mm Doppler, ergo décalé, a tenu le coup, hein. Il n'y a pas de souci cousin, on n'a rien pété, on a fait moult essais à fond les manettes, jusqu'ici aucun problème par rapport au piston. Allez, c'est parti! Là, il y a du lourd, il y a du lourd.
Décomprimer le moteur, Cous, tu te rappelles? On a tout décomprimé. Comprime le moteur, cousin. On n'a même pas poli les carters. On n'a même pas la boîte à clapets. On a la petite pipe de fleurs merdique qui ne marche pas d'ailleurs. Selon Bob le préparateur, ça ne marchera pas la pipe de fleurs, c'est de la merde. Putain, je sais pas ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, Bob le préparateur. C'est chaud bouillant, chaud. Chingon, chingon, amigo. Chingon. Je vois rien avec ce soleil clinquant californien. Profitez-en les amis, je crois que ça va être la dernière de l'année, donc profitez. Je posterai, je pense, un peu sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout le bordel, mais les vidéos, je crois que ça va s'arrêter avant l'année prochaine. Ça va nous faire du bien, du repos, plus de montage vidéo le soir, cousin, on va pouvoir profiter de nos soirées, se coucher avant minuit, ça va faire plaisir. Voilà, donc j'espère que vous avez bien kiffé ces derniers essais embarqués sur ces deux belles MBK, Mobi, Motobécane, Mobi Power, 50cc, on va livrer les machines. Donc celle-là, aujourd'hui, je pense ce soir à Bernie, ou demain, et celle-là, bien sûr, samedi, avec tout ce qui s'ensuit, la mise en route, comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. On va mettre les roues du tricycle à l'arrière, ça va être magnifique. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé. Je vous dis à bientôt, et sous ce soleil californien, mais regardez comme c'est beau tout ça, c'est la Cali Life, c'est la mobilette quittée. Donc toujours, passez un bon Noël, passez une bonne fin d'année, nouvel an, tout le bordel. Et surtout, gardez toujours, mais alors toujours, la grosse patate. Mais qu'est-ce que tu fous? Polis les vis de carter, bordel. Polis le variateur Bidalo. Soit 16, longue queue, vilebrequin SP qui va tout péter. Il faut le polir, sans quoi tu vas péter, tu vas le voiler. Mais qu'est-ce que tu fous? Polis les pattes maison, montre sort Doppler. Polis le sabot moteur. C'est pas possible cette histoire. Mais qu'est-ce que tu fous? Polis les ailettes. Bidalo, polis le moteur complet. Allez, polis. Polis les carters. C'est beau la Cali Life quand même. Elle est belle la Cali Life.